On est en train de quitter San Sebastian et j'ai une nouvelle acquisition, des bâtons. Donc je suis en train d'apprendre à les utiliser. Apparemment c'est censé m'aider à la fois dans les montées et dans les descentes. Et c'est vrai que parfois les descentes ça fait vraiment mal aux genoux. Donc si je peux essayer de prendre soin de mes genoux à ce moment là, ce serait bien. Vraiment dès le début de mon voyage, tout le monde m'a conseillé d'acheter des bâtons de randonnée. Et donc c'est ce que j'ai fait à San Sebastian après 4 jours de marche. Je vois plusieurs avantages à avoir des bâtons. Tout d'abord, ça permet de limiter le travail musculaire au niveau des muscles des jambes et de l'augmenter au niveau des muscles des bras. C'est plutôt cool. Ça permet aussi de réduire l'impact sur les articulations des jambes. Il a été prouvé que l'usage des bâtons permet de réduire de 25% la force exercée sur les genoux. Ça permet aussi d'avoir un meilleur équilibre et d'éviter les chutes. En gros, on se sent plus à l'aise pendant la randonnée, on marche d'un pas plus assuré. Et qu'est-ce que c'est bruyant ici ? Et on a tendance à marcher plus vite. Un autre avantage, c'est que c'est assez rassurant si jamais un animal ou un humain décide de se rapprocher un peu trop près de nous. En ce qui concerne le réglage des bâtons, il faut que le bras forme un angle droit. Et il y a une petite formule qui permet de l'ajuster à la taille de la personne. Par exemple, moi je mesure 1m80, donc on fait 180 x 0,68, ce qui correspond à 122,4. Or, ce qui est rigolo, c'est que j'ai réglé spontanément mes bâtons à 123 cm. On vient de partir, mais il est déjà 10h, parce qu'en fait on était fatigué, on a voulu dormir. Et surtout que d'habitude dans les auberges, spécial pèlerin, le réveil c'est 6h30, 7h. Et donc tu peux pas trop faire la grasse mat quoi. Et puis souvent, il faut partir à 8h. Et du coup là, on est profiter pour dormir un peu plus. Mais par contre, ça veut dire aussi commencer plus tard et donc avoir plus de chaleur, quoi. Je trouve la mer ici, elle est vraiment très... Bon. La flèche va dans l'autre sens et moi, je rebrousse chemin parce que, en fait, il y avait un petit chat tout mignon. Moi, j'étais en train de le caresser et tout, il était bien gentil. Parfois, les chats, même quand ils sont contents, ils mordent. Et bien sûr, le chat m'a mordu. Donc, je me suis dit, je vais désinfecter parce que, voilà, faut mieux désinfecter tout de suite. Il ne s'agirait pas d'avoir une maladie chiante après. Et le truc, c'est que, j'arrivais pas à trouver mon sac plastique dans lequel il y a mon désinfectant. Et en fait, dans ce sac-là, il y a aussi des trucs... Toi, je me disais, bon, au pire, il y a des pansements. Ça va, quoi, c'est pas un truc si jamais je l'ai oublié dans l'auberge, c'est pas très grave quoi. Mais en fait, dans ce truc là, j'ai aussi mon dictaphone. Bon, qui coûte quand même bien 100 balles et que j'ai pas du tout envie de perdre aussi et pas du tout envie de racheter. Du coup, c'est le moment du chemin où je suis en train de rebrousser chemin. Je vais essayer de faire du stop. Et puis après, pour le reste de la journée, on verra. Voilà. Oh, coucou! Il n'y a qui? Comment ça? Bien. Non, mais trop drôle, j'ai croisé Iñaki. Donc c'est le gars que j'ai rencontré il y a 2 jours. C'est rigolo. Ah oui, du coup, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que ça me fait un peu chier. Enfin, j'ai un peu l'impression que je triche. Parce que peut-être que je vais pas pouvoir faire San Sebastian, Zalaus aujourd'hui en fait. Et donc, à pied quoi, je peux pas refaire tout à pied. Donc ce serait peut-être bien que soit je fasse du stop ou que je prenne le bus pour aller à Zalaus. Donc la ville où je dormirai ce soir quoi. Bon, on verra. Mais c'est vrai que là il est 12h30, je peux pas non plus prendre un temps infini à marcher quoi. Tienes la ubicación? Ah si. Oh, muchas gracias. Non mais c'est fou tous les efforts qu'on a fait. Vraiment, on a marché 2h30, un truc comme ça. Ça a pris 10 minutes en voiture. 10 minutes, mais au moins c'est trop bien, je suis arrivée à l'auberge, oui. C'est bon, j'ai bien retrouvé le sac. Et donc finalement, c'est grâce au chat qui m'a mordu que je me suis dit je vais désinfecter avec les lingettes désinfectantes et que je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac qui était sous le lit. Voilà, comme quoi il faut vraiment bien regarder partout avant de partir. Bon bah voilà, je me désinfecte au moins. Imprégné. Ok. Je suis flou. Bon bah je suis arrivée à Zalaus. Le truc c'est de le faire en bus en fait, c'est... Bah j'ai pas l'impression que je le mérite d'être ici quoi. Je suis vraiment genre un peu blasée. Voilà, c'est un peu chiant. Mais là je vois la plage qui se rapproche. Et ça va être cool. Et bah voilà, c'est magnifique encore. Aïe 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 aïe. C'est magnifique. C'est ta petite caméra à tourner, aïe aïe aïe. Il pleut mieux, nous. Mais bah, ça est carrément écroulé.
Oui. Je joue avec le feu. Non mais je suis choquée ce qui vient de se passer. C'est juste trop bien. Il y a une boulangère qui est en train de terminer son travail. Elle est en train de mettre plein de viennoiseries dans un grand sac. Et du coup, avec William qui fait le chemin de Compostelle sans argent, on s'est dit, bah peut-être demander et tout. Enfin, c'est lui qui a dit, parce que moi, j'oserais jamais. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais fait. Et du coup, je lui ai expliqué en espagnol que William faisait le camino sans argent. Elle a demandé si on en voulait, donc on a dit oui. Il y a bien 5 viennoiseries dedans. Elle nous a mis tout ça gratuitement, elle nous a donné ça. Je suis juste époustouflée, je trouve ça trop gentil. Enfin là c'est bon, on a un super petit déjeuner là. C'est trop bien de voir une telle gentillesse des gens et tout. Waouh, je suis toute jaune.